Voilà, ça c'est Laurent Mauvignier, photographié à Bordeaux, du temps où il habitait à Bordeaux. Romain Gary, photographié en 1978 à Paris, un jour d'orage, il n'y avait pas de lumière, quasiment, il faisait très sombre et il avait un regard fixe presque, pas de mouvement dans le visage, parce qu'il avait été accidenté pendant la guerre, il était pilote, et donc il m'avait expliqué qu'il avait un nerf sectionné, donc pas d'expression. Bon, voilà Julio Cortázar, un grand écrivain argentin, photographié à Paris en 1982, dans l'escalier de son immeuble, qui était peut-être plus intéressant que son intérieur. Voilà, je nettoie Noël Châtelet, ça brille un peu. C'est une photo que j'aime beaucoup, ça, prise dans la Drôme. Elle avait un grand jardin, c'était en fin d'après-midi, avec les ombres portées comme ça. C'est vraiment une photo, puis elle est vraiment magnifique. Ah, Jim Harrison, dis donc, Jim Harrison, alors ça c'est un gros monsieur. Hein. Dalva, il a écrit, c'est un très beau livre. Il est aussi poète. Et ça, je l'avais photographié à Paris. On s'était amusé, j'avais même amené une bouteille de vin. Et on s'était sifflé quelques verres pour se mettre dans l'ambiance. C'est en même temps un critique œnologue aux States. Et il écrit beaucoup sur le vin, donc on avait dégusté un très bon vin. Voilà. Ah, voilà. Voilà mon coup. On va accrocher Jim Harrison. Alors, c'est la dernière image que je viens de présenter. Voilà, Jim Harrison, moi c'est un auteur que j'adore, avec Dalva, il a écrit Dalva, c'est très beau. J'avais été chez lui et il avait un bow window et en fait la vitre était bombée et donc je l'ai mis comme sous cloche quoi, chez lui. Ça, je l'adore cette photo-là. Elle me plaît. Et puis Bilal aussi, ça c'est dans son atelier à Paris. Je l'ai vu plusieurs fois, Bilal, il est très très sympathique. Une photo que j'aime beaucoup. Alors, ça c'est Hervé Guibert qui était photographe aussi, il a fait beaucoup de photos. Un peu de film aussi, il me semble. Et c'était une des premières que j'ai faites de lui, chez lui. Et il était très froid, très distant. On avait l'impression qu'il était presque méfiant par rapport aux images de lui. Et il m'a demandé quand même de voir toutes les images avant diffusion par l'agence Gamma. Serge Gainsbourg à Paris, rue Mondeauville. Il avait sorti un livre en 87 chez Gallimard et c'est à cette occasion-là que je l'ai rencontré. Il était en train de faire le mixage, je crois, dans un studio tout près. Et j'ai réussi à le sortir pendant quelques moments à un endroit que j'avais vu, qui je trouvais lui correspondait bien, un peu le vieux Paris, les escaliers. Et on avait été là très rapidement, une demi-heure, c'était fait, quoi. Un jour, je l'ai même appelé, j'ai dit, oh non, no photos. Non, non, non. Non, mais il faut appeler sa femme. Ça va encore. Chez elle, alors, dans le 9e aussi, dans son grand duplex presque. Thank you.
je le vois, il était chez lui. Et puis je cherche, je regarde un petit peu. Et puis je sentais bien que c'est ça qu'il fallait faire. C'était pas la peine.